Il y a foule, oui. Bonsoir. Il y a presque autant de monde qu'en fin de QAG. La séance est ouverte. Alors, l'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution par M. André Chassaigne, Mme Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain et 110 membres de l'Assemblée. La Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en lecture définitive du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Donc, je vais donner la parole à M. Jean-Victor Castor pour le groupe GDR pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, il me revient aujourd'hui, au nom du groupe de la France Insoumise, du groupe écologiste et du groupe de la gauche démocrate et républicaine, de demander la censure du gouvernement. Pour la 6e fois depuis le mois de septembre et la 17e fois depuis le début de la législature, la Première ministre a décidé de recourir pour l'adoption définitive du projet de loi de programmation des finances publiques aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Par cet acte, le gouvernement a de nouveau fait le choix de la brutalité pour forcer l'adoption d'un texte qui ne dispose pas d'une majorité, à l'image de son rejet en première lecture il y a un an ou de l'échec de la commission mixte paritaire. Depuis plus d'un an, le déni démocratique est devenu la marque de fabrique de ce gouvernement. Les 49-3 se multiplient et à chaque fois la brutalité s'accroît. Ce gouvernement s'amuse d'un jeu malsain et profondément antidémocratique, qui consiste à faire peser le 49-3 comme une épée de Damoclès au-dessus du Parlement, réduisant comme peau de chagrin les débats dans l'hémicycle. Vous refusez désormais toute discussion qui pourrait démontrer votre enfermement et votre isolement. Pour ce texte, vous avez même tenté un chantage médiocre en laissant croire que sa non-adoption amènerait l'Union européenne à couper certains crédits budgétaires prévus dans le cadre des plans nationaux de relance et de résilience. Ce manque de respect s'adresse bien entendu à nous parlementaires qui ne pouvons exercer notre principale fonction, celle de faire la loi. Que de travail effectué lors de l'examen de ces projets de loi pour faire des propositions, porter ici à l'Assemblée la voix de nos territoires respectifs, pour démontrer que d'autres choix alternatifs sont possibles. Ce travail de plusieurs semaines jeté à la poubelle en quelques minutes est aussi celui de tous nos collaborateurs et de toutes les personnes qui œuvrent au fonctionnement de cette institution. Mais ce manque de respect que vous démontrez s'adresse surtout aux millions de Français qui nous ont élus. En multipliant l'adoption des textes sans vote, en refusant le débat contradictoire, vous alimentez inexorablement le moulin des ennemis de la démocratie. Comment voulez-vous redonner confiance au peuple? Par votre utilisation abjecte des principes constitutionnels, vous en détournez les valeurs. Car le travail parlementaire ne se limite pas à quelques passes d'armes entre ministres et députés dans l'hémicycle. Pour chaque débat, ce sont des déplacements depuis nos circonscriptions jusqu'à Paris. Pour chaque texte, pour chaque amendement, ce sont des dizaines de personnes qui travaillent. Pour chaque séance, ce sont des personnels de l'Assemblée mobilisés et des moyens de fonctionnement déployés. Nous parlons ici de millions d'euros. Nous parlons ici de millions d'euros en déplacement, hébergement, coûts de fonctionnement, masse salariale. Un gouvernement responsable et respectueux des institutions aurait aussi pris cet aspect en considération. Mais vous n'êtes ni responsable ni respectueux des institutions. Et vous osez donner des leçons de sobriété au peuple. La démocratie n'a pas de prix quand elle fonctionne. Le Parlement a une fonction, celle de légiférer. Par votre utilisation dévoyée des institutions, en empêchant aux législateurs que nous sommes de faire ce pour quoi nous avons été élus, vous déniez la démocratie et par voie de conséquence, vous favorisez le gaspillage du bien public. Mais peut-être
Est-ce là votre objectif inavouable? Au nom des économies à tout va, supprimez le Parlement, puisque par l'usage abusif du 49.3, vous ne cessez de vous en passer. Pourtant, la situation en France est de plus en plus grave et la loi de programmation des finances publiques, loin d'être anecdotique, aurait mérité un débat. L'objectif des lois de programmation est de fixer une trajectoire budgétaire pour les années à venir, une idée qui pourrait être séduisante car elle se rapproche d'une logique de planification de l'économie. Mais en fixant des plafonds de dépenses, des plafonds d'emplois ou encore des normes de dépenses, elles agissent aujourd'hui comme un carcan qui ne vise qu'une seule chose, détruire le pacte social français qui s'appuie sur la sécurité sociale et les services publics nationaux et locaux. Cette loi de programmation pour les années 2023-2027 est une des plus éclairantes sur le sujet, en fixant une trajectoire budgétaire austéritaire dans des proportions jamais atteintes auparavant. La croissance moyenne des dépenses publiques qu'elle prévoit est fixée à 0,1%. Et si on exclut l'extinction de certaines mesures temporaires en 2024, cette croissance atteindra 0,6%, soit une croissance encore plus faible que celle mise en place durant la période austéritaire qui a suivi la crise de 2008 et les attaques spéculatives contre certains États européens. Cependant, les futures économies, moins 12 milliards à partir de 2025, restent pour l'heure peu documentées. La question est donc simple. Sur quel poste porteront les futures économies? Serait-ce sur la politique du logement ou le choc d'offres? Un temps promis n'a jamais eu lieu, plombé par les ponctions opérées sur les bailleurs. Serait-ce sur le financement de l'hôpital public ou de l'école, des domaines qui souffrent déjà d'un manque structurel de moyens? Ou serait-ce enfin sur la baisse encore et toujours de certaines aides ou allocations, à l'image des propos ambigus du gouvernement sur la suppression de l'aide médicale de l'État? La pauvreté ne cesse de croître, tous les indicateurs l'indiquent. 9 millions de Français se trouvent en situation de privation matérielle. Un tiers des Français sautent des repas et certains le font pour permettre à leurs enfants de manger. Un Français sur cinq déclare vivre à découvert et près d'un Français sur deux est dans l'incapacité totale ou partielle de payer certains actes médicaux. Le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans et le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé. Les effets de l'appauvrissement de la population sont comme à l'accoutumée décuplés dans les pays dits d'outre-mer. En Guyane, le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a été multiplié par 2 en 5 ans. Nos territoires sont sinistrés économiquement, sanitairement, socialement. Mais cette loi de programmation budgétaire, au lieu de travailler au mieux-être de la population, organise méthodiquement son appauvrissement. La situation sociale, tout comme les enjeux écologiques de ce pays, exige de nouvelles dépenses qui s'avèrent non conciliables avec les objectifs de ce texte. Et ces dépenses nouvelles induisent nécessairement des recettes nouvelles pour l'État ou pour les collectivités. Or, ce texte enterre toute mesure en termes de recettes pour l'État, et ce alors même que le nombre de milliardaires et leur patrimoine cumulé ne cesse de croître. Le rapport Sansu Mattei a ainsi clairement mis en évidence une concentration toujours plus importante du capital et la construction progressive d'une société de l'héritage et de la rente. Cette situation ne pourra être combattue que par l'instauration de mesures fiscales nouvelles, comme une contribution exceptionnelle des hauts patrimoines, à l'image des préconisations d'économistes plutôt libéraux comme Salma Mahfouz ou Jean Pisani-Ferry. Dans ces conditions, le groupe GDR ne peut que s'opposer à ce projet de la loi de programmation des finances publiques qui fixe une trajectoire budgétaire délétère pour les 4 années à venir. Un texte qui fait le choix de réduire un peu plus encore le pacte social français et refuse de demander à tous nos concitoyens leur juste participation. Face à l'entêtement du gouvernement à faire adopter ce texte de manière autoritaire en ayant encore recours au 49.3, je vous demande donc aujourd'hui, chers collègues, de censurer le gouvernement. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Denis Masseglia pour le groupe Renaissance.
Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Messieurs et Mesdames les Ministres, mes chers collègues. L'échange de ce soir s'inscrit à la suite de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, pour lequel il a été fait recours à l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution. Rappelons tout d'abord aux personnes qui nous regardent ce dont il est question ici. Un document de 72 pages qui présente les orientations budgétaires de la France pour chaque programme, justice, éducation ou encore culture, d'ici à 2027. À celles et ceux qui nous regardent, ce projet de loi, soyons clairs, ne permettra pas de remplir votre frigo, de trouver un médecin ou de faire garder vos enfants, ni de réduire les émissions de CO2. Ce projet de loi vise tout simplement à présenter les orientations pluriannuelles du budget de notre pays, avec pour ambition d'en réduire le déficit. Pour certains, très à gauche et très bruyants, ce déficit n'est pas un problème. Au contraire, ce serait la solution. Car rappelons qu'en 2022, votre leader proposait 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, dépenses qui, selon lui, rapporteraient 267 milliards. Selon les économistes de la LFI, donc, plus de dépenses est égal à moins de déficit. Étrange calcul. Dans cette logique, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi ne pas prévoir plus de dépenses pour être, soyons ambitieux, effacer carrément la dette? Fort heureusement, le projet de programmation de loi des finances publiques pour les années 2003 à 2027, tel que proposé par le gouvernement, présente une trajectoire claire visant à réduire notre déficit. C'est un projet de loi responsable qui s'inscrit dans la continuité de l'action menée par la majorité présidentielle depuis 2017. Je me permettrai d'ailleurs de vous rappeler que c'est sous cette majorité, en 2018, que notre pays est sorti de la procédure de déficit excessif lancée par la Commission européenne. En 2020, nous avons été frappés de plein fouet par la pandémie de Covid-19 qui a inévitablement marqué un coup de frein à notre ambition de réduire notre déficit. À ce moment-là, la priorité devait bien entendu aller comme toujours à la protection de l'emploi et des personnes les plus fragiles. Mais cette fois-ci, c'était à raison, quoi qu'il en coûte. Que le député ou les députés qui n'étaient pas favorables aux aides pour nos boulangers ou nos restaurateurs lèvent la main. Aujourd'hui, cette période est derrière nous. Il est impératif de revenir à notre ambition initiale de réduire notre déficit. Maîtriser nos dépenses, ce n'est pas seulement faire preuve de responsabilité financière. C'est également protéger notre nation, défendre notre souveraineté et éviter que nos enfants ne deviennent les créditeurs de notre absence de courage. Ce projet de loi de programmation des finances publiques pose un constat très clair. En 2023, la dette nous coûte 38 milliards d'euros. En l'état des taux d'intérêt, ce coût serait de 74 milliards d'euros en 2027. 2 points de taux supplémentaires par rapport aux estimations porteraient le coût de la dette à plus de 100 milliards d'euros. Imaginez donc ce qu'il en serait si nous acceptons sans sourciller ce que certains proposent ici. C'est sûr, faire preuve de prudence financière et de sérieux budgétaire suscite beaucoup moins d'enthousiasme que les propositions des deux extrémités de cet hémicycle. Elles ont en commun d'appeler continuellement et inlassablement à de nouvelles dépenses. Finalement, la seule différence entre LFI et le RN porte sur le financement de ces dépenses. Pour la première, la France irresponsable, le financement s'opère en stigmatisant les personnes qui réussissent et en supprimant les riches.
Pour le second, le rejet national, le financement s'opère en stigmatisant certains de nos concitoyens et en supprimant l'immigration. Charmant programme. Voyez-vous, chers collègues, les attitudes caricaturales de LFI et du RN me font penser à l'œuvre de Jean de La Fontaine. 350 ans plus tard, ces fables décrivent avec une grande justesse certaines postures de cet hémicycle. Nous avons à gauche la France insoumise. Je propose la cigale et la fourmi. La LFiste ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand les factures furent venues. Pas un seul petit morceau de lentilles corail ou bio. Elle alla crier famine chez la travailleuse, sa voisine, la priant de lui payer quelques taxes pour subsister jusqu'à l'élection nouvelle. Les riches vous paieront, lui dit-elle, avant l'août, suivant mon idéal, l'intérêt est le principal. La travailleuse n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous quand le chômage était au plus bas, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour tout venant, j'usais de mon droit à l'oisiveté ne vous déplaise. Vous glandiez, j'en suis fort aise. Manifestez maintenant. Quant au Rassemblement national, le corbeau et le renard vous sied à merveille. Maître électeur, dans une démocratie ébréchée, tenez dans ses mains un suffrage. Maître Le Pen, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur l'électeur. Que vous êtes joli. Que vous me semblez avoir peur. Sans mentir, vos difficultés, c'est la faute aux immigrés. Vous êtes pourtant l'hôte de ces bois. À ces mots, l'électeur est pris de l'effroi et pour montrer son choix, ouvre sa main, laisse tomber sa voix. Le Pen s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien une attaque à la démocratie sans doute. » L'électeur, honteux et confus, jura, comme en 33, qu'on ne l'y reprendrait plus. Loin de ses postures caricaturales, la majorité présidentielle travaille avec responsabilité pour trouver un équilibre complexe mais indispensable. Oui, nous devons continuer d'investir dans nos services publics, dans les transitions écologiques et numériques, dans l'accompagnement des plus fragiles. Et oui. S'il vous plaît. Alors, vous le laissez terminer son discours, vous ferez un rappel au règlement ultérieurement. Allez-y, monsieur l'orateur. Oui, je viens de vous dire que je l'avais enregistré. Il termine son propos. Allez-y, monsieur Masseglia. Merci, madame la présidente. Finalement, la caricature est présente au quotidien dans l'hémicycle. Loin de ses postures caricaturales, la majorité présidentielle travaille avec responsabilité pour trouver un équilibre complexe mais indispensable. Oui, nous devons continuer d'investir dans nos services publics, dans les transitions écologiques et numériques, dans l'accompagnement des plus fragiles. Et oui, cela n'est pas incompatible avec le fait de contenir nos dépenses. Dans cette perspective, nous trouvons à nos côtés un gouvernement imprégné par ce devoir. Première ministre, ministre de l'économie, ministre des finances sont chacun à saluer pour leur engagement, leur ténacité et leur travail. Ce travail en responsabilité, justement, est reconnu jusqu'au-delà de nos frontières. Preuve en est, le maintien de la note donnée à la France. Notre objectif n'est pas ici de faire plaisir aux agences de notation. Notre objectif, il est tout simplement
d'œuvrer pour assurer le financement de notre dette et donc de notre avenir. Viser l'objectif de faire passer notre déficit public sous la fameuse barre des 3%, ce n'est pas utopiste si l'on s'en tient à ce travail en responsabilité. Notre objectif n'est pas de faire plaisir à l'Union européenne, mais simplement d'œuvrer pour assurer le financement de notre dette et donc de notre souveraineté. Faute de travail en responsabilité, nous risquons de voir notre taux d'emprunt augmenter fortement, ce qui implique le risque de devoir réaliser des choix compliqués qui auront de lourdes conséquences pour les Français. Vis-à-vis d'eux, nous devons être clairs quant à nos priorités. Nos priorités, ce sont les réponses que nous devons apporter aux défis et aux urgences de ce siècle. Les grandes transitions sont entre autres d'ordre écologique, numérique ou encore démographique. C'est là que nous devons concentrer notre énergie, notre temps, notre responsabilité. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Alors, je prends le rappel au règlement. Allez-y, mon cher collègue. Attends. Oui, Madame la Présidente, sur la base de l'article 70-3, effet personnel, Monsieur Masseglia, quand même, il a le droit de faire des effets de manche, c'était très drôle, ces énoncés de fables de La Fontaine, c'est très drôle, et on peut accepter tout. Mais quand il termine sa phrase en disant « comme en 33 », c'est une réduction ad hitlerum qui était inadmissible dans cette Assemblée. On ne peut pas comparer un groupe de députés à ce qui s'est passé en Allemagne en 1933. C'est totalement inadmissible. Et je demande donc qu'il y ait un rappel à l'ordre de M. Masseglia avec inscription à l'ordre du jour, parce que c'est vraiment... On ne peut pas aujourd'hui, dans la situation du pays, avec ce qui s'est passé depuis deux mois dans le monde entier et tout ce qui se passe aujourd'hui en France, et je n'étais pas présent hier dans cette projection de film, mais ramener un groupe de députés à l'Allemagne nazie, c'est quand même inadmissible. Bon. Écoutez, je me fais communiquer le texte exact pour regarder quels ont été les propos qui ont été prononcés et j'aviserai. Oui, mais il faut que j'aie la phrase d'avant et la phrase d'après. C'est quand même mieux pour regarder le contexte. Alors, Monsieur Aurélien Lopez-Luigori pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues, nous y sommes donc, le 17e 49-3 en 18 mois d'exercice. Cela en devient presque monotone. La Première ministre est visiblement du même avis, car elle ne daigne même plus annoncer elle-même les passages en force devant la représentation nationale et envoie des ministres subalternes les notifier à sa place. Quelle sera la prochaine humiliation ? Quel est ce pouvoir qui ne fait même plus semblant d'écouter, de chercher le compromis, de respecter l'équilibre des institutions? Quel est ce gouvernement qui, certain de n'avoir jamais tort, en perd la raison? Au rythme où les 49-3 s'enchaînent, il ne faudra encore qu'une seule année pour que Mme Borne, ou son successeur, batte le triste record de Michel Rocard. Mais M. Rocard, attendait la fin des débats parlementaires avant de passer en force devant les députés, car il tenait à s'assurer que toute négociation était impossible avant d'imposer la force. Désormais, le gouvernement ne s'en donne même plus la peine. Les débats n'ont même plus lieu. Avec la Macronie, le contournement des représentants du peuple devient normal, le mépris de la démocratie une habitude, le refus du dialogue la règle. Pourtant, lors des dernières élections législatives, les Français avaient justement refusé de vous donner une majorité absolue pour que vous co-construisiez avec les oppositions, pour que vous essayiez de trouver des positions qui nous rassemblent. Et aujourd'hui, vous faites tout l'inverse. Vous préférez vous terrer derrière vos passages en force qui vous donnent une illusion de toute puissance. Vous agissez ainsi parce que vous savez que vous êtes incapable de rassembler le pays autour d'un projet fédérateur. Et pour cause, qui, à part cette majorité relative caporalisée pour cautionner vos actes, qui
pourrait suivre votre zèle acharné à promouvoir la tiers-mondisation de notre pays. Cette loi de programmation des finances publiques 2023-2027, que vous adoptez contre la majorité de l'Assemblée nationale, en est la preuve supplémentaire. Pour ne pas déplaire à Bruxelles, il faudra que les Français continuent à faire des efforts. Mais sur quoi ? Que leur reste-t-il ? Sur le plan social, quelles dépenses reste-t-il à rogner ? Le gouvernement a déjà fait passer sa réforme des retraites en reculant l'âge de départ à 64 ans. Il a déjà diminué les droits des chômeurs. Il a déjà coupé les dépenses de sa politique de logement, tandis qu'il multiplie les cadeaux fiscaux aux plus riches depuis 2017. Sur le plan des services publics, que peut-on rogner dans des structures qui sont déjà à l'os ? Les hôpitaux fonctionnent déjà à flux tendu et les déserts médicaux s'élargissent. Les enseignements de l'éducation nationale sont déjà démunis face à des classes de plus en plus nombreuses, tandis que le niveau général d'instruction s'effondre. Sur le plan du pouvoir d'achat des Français, l'inflation grève tous les budgets des ménages, si bien que se chauffer l'hiver ou prendre sa voiture dans les zones rurales est devenu un luxe. Sur le plan sécuritaire, les commissariats et les casernes sont déjà exsangues. Nos policiers et nos gendarmes risquent chaque jour leur vie pour moins de 2000 euros par mois, tandis que s'accroît l'ensauvagement de la société française, alimentée par l'immigration de masse et les défaillances de notre système judiciaire. L'épisode des émeutes urbaines de l'été dernier en a été le résultat très concret. Si l'on continue d'abandonner nos forces de l'ordre, ces explosions de violence amplifieront en nombre et en gravité jusqu'à l'irrémédiable. Sur tous les plans, les voyants sont au rouge. L'État stratège et protecteur s'effondre. Vous emmenez la France droit dans le mur. Et tout cela pour être le bon élève de Bruxelles. Tout cela car vous avez peur de ne pas être parfaitement aligné sur les objectifs budgétaires fixés par la Commission européenne. Qu'est-il arrivé à la souveraineté française pour que nous craignions à ce point que l'Union européenne nous confisque notre propre argent ? Car je vous rappelle que la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne. Dans cette histoire, les Français sont les créanciers, pas les débiteurs. À partir du moment où cet argent est le nôtre, nous avons toutes les marges de manœuvre à condition d'en avoir la volonté. Alors arrêtez avec ce chantage indigne. Cessez de prendre les Français en otage et assumez vos responsabilités. Au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, notre ligne d'action se résume à un objectif très clair. Rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. À mille lieues de ce principe de bon sens, le gouvernement et sa majorité relative préfèrent imposer aux députés une loi attentatoire à notre souveraineté budgétaire. Notre pays agonise d'être conduit par des chefs sans vision, ballottés au gré des événements qui se raccrochent désespérément aux jupes de Madame von der Leyen pour trouver un cap. Et face au piétinement de notre démocratie et de notre souveraineté, qu'avons-nous ? Le sketch habituel de la gauche qu'elle répète stérilement à chaque passage en force du gouvernement. La NUPES, ou ce qu'il en reste, c'est un état permanent de guerre de tous contre tous. Une opposition qui s'oppose à elle-même et qui s'étant épuisée toute seule, finit complètement marginalisée. Au milieu de cette cacophonie, plus rien de cohérent ne ressort, si ce n'est de motions de censure que même ses alliés ne votent plus et dont les co-signataires sont de moins en moins nombreux. À chaque texte, et oui, vous en avez 110 ou 120 au lieu de 160. À chaque texte, la gauche dépose des motions de rejet. À chaque 49-3, des motions de censure. Leur caractère solennel en est totalement dénaturé. Le principe d'opposition parlementaire en est vidé de sa substance par le fait d'agitateurs publics en mal de reconnaissance, par des députés prêts à tout pour leurs petites vidéos sur les réseaux. La droite est également activement coupable. La question les intéresse tellement qu'ils sont systématiquement pas plus de 2 ou 3 dans l'hémicycle quand il s'agit de voter des motions de censure, même lorsque celles-ci ont un sens et un espoir d'aboutir. C'est d'ailleurs la spécialité des Républicains, alors du Républicain aujourd'hui, puisqu'on n'en a qu'un seul, de toujours se targuer du courage des mots à défaut d'avoir celui des actes. Le Rassemblement national ne participera pas à ces agitations incohérentes.
Nous ne voterons pas donc cette motion de censure. Les députés RN ont répondu présent dès le début de l'examen du texte pour dénoncer l'arnaque que représente ce projet de loi. Nous avons voté contre le texte en première lecture. Nous avons proposé des amendements. Nous avons même voté la motion de censure de la NUPES en seconde lecture après un énième 49-3. Mais nous ne nous enfoncerons pas dans cette opposition stérile et tragico-comique qui vous définit d'ailleurs tellement bien. D'ailleurs, les Français le savent. Nous avons prouvé notre engagement le long du processus législatif pour tout faire pour contrer ce projet de loi délétère. Et nous continuerons à peser dans le processus législatif jusqu'au jour où les Français vous éjecteront de cet hémicycle. Madame la Première Ministre, en dégainant 49-3 après 49-3, vous pensiez pouvoir vous abriter derrière la Constitution. Mais n'oubliez jamais que ces armes ont toujours un coût démocratique et qu'à chaque fois que vous en usez, c'est votre crédit et votre légitimité qui part en fumée. En recourant au 49-3 sur cette loi de programmation des finances publiques, vous avez épuisé votre dernier joker pour les mois à venir. Vous avez violé une fois encore la démocratie, et si vous recommencez à l'occasion du projet de loi sur l'immigration, vous violerez la Constitution. Max Weber explique qu'il y a deux péchés capitaux en politique, ne défendre aucune cause et n'avoir pas le sentiment de responsabilité. Vous êtes précisément coupable de l'un et de l'autre. Le temps vous est compté, la sanction des urnes approche et elle vous sera extrêmement sévère. Je vous remercie. La parole est à Madame Marianne Maximi pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, collègues. Est-ce que le pouvoir législatif existe encore dans notre pays ? Ce lundi, l'exécutif a une nouvelle fois piétiné l'Assemblée nationale sur la loi de programmation des finances publiques. Pour votre 17e 49-3, vous n'avez même pas pris la peine de vous rendre disponible, Madame Borne. La Macronie continue de disrupter sur la démocratie et invente le 49-3 par procuration. Lundi donc, le ministre des Relations avec le Parlement, tout un symbole tout de même, est venu porter à notre connaissance une lettre de votre main qui annonce un nouveau passage en force. Au bout de 17 49-3, on doit au moins reconnaître que le gouvernement a optimisé l'exercice. 3 minutes et 4 secondes après l'ouverture de la séance, le débat était clos, bouclé et verrouillé. Un nouveau record d'efficacité qui doit vous rendre fier, j'en suis sûre. Ce 49-3 est aussi inédit car vous avez multiplié les ruses pour pouvoir l'utiliser. La programmation des finances publiques n'est pas un texte budgétaire. Alors vous avez convoqué une session extraordinaire en septembre pour disposer d'un 49-3, pourquoi se priver ? Et quand le texte est revenu en session ordinaire, vous avez prétendu que vous pouviez utiliser sans compter un nouveau 49-3, au motif qu'il aurait été déjà activé. Un drôle de procédé dont la constitutionnalité est questionnée par plusieurs juristes et sur lesquels nous ne manquerons pas de nous pencher. Alors, si vous innovez sur la forme, le fond est malheureusement toujours le même et toujours aussi décevant. Pour justifier ce nouveau passage en force, vous nous rejouez la carte des débats ont été longs, de l'absence de majorité alternative, que ce texte serait ô combien indispensable pour venir et assurer notre crédibilité. Mais tout cela n'est qu'une comédie ponctuée de grands blabla. Et au bout d'un an et demi, ces arguments ne tiennent plus. D'abord parce que nous avons démontré lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale qu'on était capable de dégager des majorités. Simplement, ces dernières ne plaisent pas au président de la République Emmanuel Macron. À plusieurs reprises, contre l'avis du gouvernement, nous avons fait adopter des amendements budgétaires. Les 20 milliards d'euros de recettes fiscales, en plus votées par la Commission des finances, effacées par le 49-3. La hausse des rémunérations des salariés de l'aide à domicile, des AESH, le maintien de la Civise, retiré par le 49-3. Les 1,5 milliard pour le fret ferroviaire, les 10 millions pour le fonds de soutien au développement des MJC et associations culturelles dans les quartiers populaires, balayés par le 49-3. Ensuite, vous nous dites que cette loi est une nécessité. Mais ce n'est pas vrai.
C'est même parfaitement le contraire. Cette loi, elle est dangereuse pour les finances publiques. Elle nous fait sombrer pour les 4 prochaines années dans un abîme austéritaire. Vous refusez le terme austérité. Mais comment appelez-vous une loi qui impose aux dépenses publiques d'évoluer vers moins vite que l'inflation ? Comment appelez-vous une loi qui limite les créations d'emplois dans les ministères, dans les opérateurs de l'État ? Comment appelez-vous une loi dont la seule boussole est la réduction de la dette et du déficit public, quoi qu'il en coûte pour nos services publics ? Les dépenses publiques sont créatrices de richesses. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres et qui disparaîtrait dans la nature. Couper ainsi, à l'aveugle, ne fera qu'appauvrir l'État. Cette loi, elle est tellement austéritaire que vous allez réellement appauvrir l'État. Et on grince des dents quand on pense qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron imposait aux Français, par 49.3 pour changer, de travailler 2 ans de plus au prétexte que l'argent manquait pour financer nos retraites. Tout cela n'assure en rien notre crédibilité, c'est même le contraire. Cette logique économique est à contresens de notre époque. Elle est complètement en décalage avec les enjeux qui traversent notre pays. Comment espérer respecter l'accord de Paris quand nous devons investir entre 60 et 70 milliards d'euros par an ? Plus vous attendez pour réaliser ces investissements, plus la facture écologique va augmenter. En 2022, rien que les catastrophes naturelles, sans parler de tous les autres effets du dérèglement climatique, ça nous a déjà coûté 10 milliards d'euros à la puissance publique. Pour répondre à la crise sociale qui secoue notre pays, il faudrait investir dans les services publics de proximité, dans le logement, dans l'école, dans la santé. Il faudrait par exemple investir pour que chaque élève en situation de handicap puisse aller à l'école. Pour cela, il n'y a pas assez d'AESH. Aujourd'hui, en raison de votre politique d'économie de bout de chandelle, il en manque des milliers. Et rien que dans mon département, le Puy-de-Dôme, ce sont 200 élèves qui sont privés de scolarité. Il faudrait investir pour que les femmes puissent accoucher en sécurité, près de chez elles, dans des maternités qui fonctionnent. Il faudrait s'assurer que les malades puissent se faire soigner où qu'ils vivent. Une nécessité absolue alors que les mobilisations se multiplient contre les fermetures de services d'urgence et que le personnel hospitalier sera en grève demain pour dénoncer l'affaiblissement du système de santé. Il faudrait des trains qui fonctionnent, des logements abordables, un accompagnement social pour les familles en difficulté éducative, des lieux de placement pour les enfants en danger. Il faudrait que les citoyens puissent manger à leur faim, que les familles à la rue et les enfants à la rue soient relogés rapidement, immédiatement. Et c'est de tout cela que nous prive ce texte, en nous fixant un objectif d'austérité pour les prochaines années. Même les collectivités territoriales payent le prix de vos obsessions budgétaires. Elles se voient contraintes alors qu'elles ne cessent d'alerter sur l'état de leurs finances. Et plutôt que de les aider pour financer à la hauteur leurs compétences et les tâches que l'État leur confie, elles voient elles aussi leurs dépenses plafonner en dessous de l'inflation. J'alerte ici les ministres et mes collègues. Abuser du 49.3 pour imposer un projet politique sans majorité parlementaire, le gouvernement est en train de dissoudre le pouvoir législatif. Les passages en force successifs vident le sens de notre travail et notre fonction. À quoi bon pour les citoyens de nous solliciter si à la fin, Emmanuel Macron décide seul ? À quoi bon pour les associations, les syndicats de proposer des solutions si à la fin, tous les amendements sont balayés par un 49.3 ? À force de priver l'Assemblée nationale de vote, mais aussi de débat, l'exécutif est en train de faire disparaître le pouvoir législatif et d'anesthésier la vie politique. Cette façon de gouverner est en train de créer des impasses démocratiques graves. Elles vont augmenter le sentiment antiparlementaire et elles vont surtout créer des fractures durables entre les citoyens et la vie démocratique de notre pays. Car votre autoritarisme déborde les murs de notre Assemblée. Il s'exprime sous de multiples formes. Alors un ministre de la Justice mis en examen, il reste en poste. Une association écologiste se mobilise contre les méga-bassines, on la dissout. Enfin, on essaie de la dissoudre, car pour une fois, le Conseil d'État a joué son rôle de garde-fou et a annulé votre honteuse décision. De la peinture sur les murs d'un ministère, tout le monde en garde à vue. Une mobilisation contre un projet routier, tout le monde en garde à vue. Les enfants des quartiers qui se révoltent, en garde à vue et en prison. Les manifestations pour la paix, on les interdit, on arrête tout le monde pour une pancarte ou un drapeau. Votre pouvoir ne tient plus qu'à quelques fils, à la complaisance de la droite qui s'efforce d'être à votre remorque. Ce sera peut-être d'ailleurs le prochain groupe de la majorité relative. Ça tient aussi aux négociations avec l'extrême droite qui, on le rappelle, a tenté de monnayer son abstention sur ce texte en nous déroulant pourtant son discours contre l'austérité venue de Bruxelles. Mais en fait, vous n'êtes pas à une incohérence près.
Mais votre majorité relative se fissure aussi. Et nombreux dans vos rangs désapprouvent cette débauche de passage en force. Dans quelques jours, la Macronie ira chercher sur les bancs de LR et du RN une majorité pour faire voter son texte sur l'immigration. Ce qui ajoutera encore de la confusion et de la pagaille, à moins que, là encore, vous ne préférez un 49-3. En fait, ce n'est qu'une question de temps pour que tout l'édifice s'écroule. Le problème, c'est que votre dérive autoritaire peut entraîner bien plus que la Macronie avec elle. Ce qui est menacé par ces passages en force, c'est l'espoir de la politique, l'espoir dans notre capacité collective à faire changer les choses. Et la responsabilité de la gauche, de la NUPES, elle est précisément là. De faire vivre cette alternative et d'incarner avec crédibilité, c'est de cette façon que nous ferons reculer le désespoir créé par la Macronie sur lequel l'extrême droite prospère. Et j'appelle donc toutes les forces progressistes qui siègent dans cet hémicycle à s'opposer à l'autoritarisme d'Emmanuel Macron et à défendre la démocratie en votant cette motion de censure. Merci beaucoup. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Nous voici de nouveau réunis ce soir pour débattre d'une énième motion de censure déposée par la Présidente Panot et ses collègues de la France Insoumise. On est tellement habitués à ce soir LFI, une réaction... Allez. Une réaction systématique... aussi mécanique que vaine, suite au déclenchement du 17e 49-3 lundi dernier. 17e. Sur le projet de loi de programmation révisée des finances publiques pour les années 2023 à 2027. La banalisation de l'exceptionnel. Ainsi va la vie parlementaire sous cette majorité présidentielle relative. Mais les manœuvres politiciennes de la France insoumise ne sauraient nous faire oublier l'essentiel. L'adoption définitive ce soir d'une trajectoire budgétaire peu ambitieuse qui acte le renoncement définitif du gouvernement à redresser nos comptes publics. Madame la Première Ministre, vous avez attendu près d'un an pour nous soumettre de nouveau un projet et la déception est au rendez-vous. Pourtant, les ajouts du Sénat traduisaient une volonté politique réelle d'en finir avec le désolant triptyque français des 3D. Dette, déficit, dépenses. Ah oui, c'est la réalité. En refusant de prendre les responsabilités qui devraient être les vôtres, vous engagez durablement la France dans la spirale de l'endettement. Plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. On peut en sourire, mes chers collègues, on peut le contester, mais c'est une réalité. Plus de 3 000 milliards d'euros de dettes désormais, 285 milliards d'euros empruntés sur les marchés financiers en 2024. Une charge de la dette évaluée à 57 milliards d'euros dès 2024. Certes, la copie est un peu meilleure, je l'admets, Madame la Première Ministre, la copie est un peu meilleure que lors du premier dépôt de cette loi, puisque l'effort demandé à l'État est rehaussé. De plus, vous abandonnez le pacte de Cahors ou la succession. Et enfin, la pente est moins injuste pour les collectivités. Mais Madame la Première Ministre, soyons honnêtes, nous sommes encore très loin du compte. Tous les signaux budgétaires sont au rouge. La situation est plus alarmante que jamais et vos remèdes sont au mieux homéopathiques. Le Haut Conseil des Finances Publiques dresse lui-même l'implacable constat que la trajectoire retenue ne prévoit pas de retour rapide vers l'objectif d'équilibre des finances publiques. Prenez acte. Pas vous, Madame la Première Ministre, un député de votre groupe. De nombreuses mesures structurelles d'économie vous ont pourtant été proposées par les Républicains pour un total de 25 milliards d'euros. Dans le cadre d'un contre-budget en soutien au pouvoir d'achat des Français, à la famille, en faveur de la revalorisation du travail et d'une correction des dispositifs de soins aux étrangers et de l'amélioration des procédures de soins. Un projet ambitieux qui permettrait de baisser les prélèvements obligatoires de 10,8 milliards d'euros, de redistribuer 2,4 milliards et de diminuer le déficit à hauteur de 12 milliards, balayé d'un revers de la main.
La cible du désendettement est donc une nouvelle fois manquée, alors que la France figure dans le quintet des pays les plus endettés d'Europe et que nous serons le dernier pays de la zone euro à revenir sous la barre des 3% de déficit en 2027. C'est un triste constat. À toutes fins utiles, je vous rappelle que la Commission européenne a annoncé lever la clause générale dérogatoire à la fin de cette année. Voilà. La réalité, c'est que votre manque de courage politique pèse sur les Français qui n'en finissent pas de payer. Pour la 17e fois, vous devez donc vous résoudre à passer en force en faisant abstraction du débat parlementaire. Il n'en demeure pas moins que l'absence de vote de la représentation nationale privera de solennité les engagements financiers souscrits par la France auprès des autorités européennes. Il n'y a cependant aucun suspense à entretenir sur le fait que les députés du groupe Les Républicains feront preuve de responsabilité en ne votant pas la motion de censure de ce soir. Bien que nous déplorions ce recours massif au 49-3 qui abîme l'équilibre de nos institutions démocratiques, nous nous faisons un devoir de rester une opposition responsable. Nous devons nous doter de cet outil budgétaire cadre pour respecter la lettre de notre Constitution. Une Constitution dont les termes sont de plus en plus bafoués et détournés au moyen d'une démagogie toujours plus grossière. Ainsi, dans les rangs de la France insoumise, on s'indigne que la démocratie soit, je cite, « plus que jamais humiliée ». Mais mes chers collègues, qui humilie notre démocratie ? Pas plus tard que ce soir, en estimant que nous pourrions vous suivre dans votre politique du pire. Vous déplorez également que le gouvernement refuse aux élus de la nation le droit de débattre. J'ai une voix qui porte fort. Vous pouvez hurler, je vais monter. Mais qui paralyse le fonctionnement de notre Assemblée, texte après texte, par le dépôt compulsif de milliers d'amendements thématiques et identiques. Qui a consommé l'intégralité des crédits de la mission Outre-mer du budget 2024 dans une outrance d'amendements, forçant l'interruption de l'examen de la mission en commission des finances, privant ainsi les autres groupes de défendre leurs amendements restants. Mes chers collègues, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis et aucune crédibilité ne peut être laissée à vos arguments. Vous empêchez la représentation nationale de s'exprimer comme elle le devrait et vous décrédibilisez son rôle dans le seul et unique but d'attirer l'attention sur vous. Pire encore, par ces agissements, vous confortez le gouvernement dans son entreprise de musellement du Parlement. Une telle attitude est dangereuse en dévitalisant en vidant d'un trait de plume des semaines entières de calendrier parlementaire, en démobilisant les députés, vous alimentez leurs frustrations, vous crispez les Français et vous soufflez sur les braises de la colère. Je n'ai pas peur de le dire, vous portez, mesdames et messieurs les députés de la NUPES, en grande partie la responsabilité de ce déluge de 49-3. Rendez-vous compte. Aucun amendement sur la partie recette du projet de loi de finances pour 2024 n'aura été débattu en séance publique. C'est du jamais vu et c'est votre responsabilité. De nombreux sujets essentiels n'ont ainsi pas pu être abordés. La crise du logement, la réforme de la CVAE, les crédits de MaPrimeRénov' dont nous avons découvert il y a quelques jours une sous-exécution majeure conduisant à une annulation de crédit de 1,1 milliard d'euros. Mais apparemment, ça ne vous concernait pas. La démocratie est bien plus perdante de votre stratégie d'hystérisation du débat public. C'est la grande perdante de votre hystérisation. Mesdames et messieurs les députés de LFI, l'outrance n'a jamais fait la consistance politique. Vous avez sauté à pieds joints dans tous les pièges tendus par le gouvernement qui participe, je le regrette, à ce jeu de dupes. La motion de censure en ressort banalisée, vidée de sa substance originelle. Les Français nous regardent, mes chers collègues. Faire de leur détresse votre fonds de commerce ne vous grandira pas et ne grandira personne. Au contraire, c'est un affaiblissement du Parlement et donc de la démocratie. Je déplore enfin le rôle du Rassemblement national qui, dans une alliance de circonstances, s'associe quelquefois
à votre errance. Soutien que vous acceptez derrière une apparente hostilité, sans rechigner et dans le plus grand silence. En ne votant pas votre motion de censure, les députés des Républicains ne donnant pas un blanc-seing au gouvernement. Nous refusons tout simplement de porter la responsabilité d'un jeu dangereux qui menace plus que jamais notre démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed Lakhila pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, voilà qu'on y retourne, certains avec panache, je dirais avec un petit panache, prêts pour un nouveau chapitre palpitant de la saga motion de censure, votre saga, présentée par les troupes intrépides de la NUPES, sauf le PS qui, croisons les doigts, a peut-être enfin recalibré sa boussole européenne depuis fin septembre. Enfin, je m'en félicite. Chers collègues, vous excellez dans l'art du rejet, mais question consensus, c'est le désert total. Quelle alternative proposez-vous à part votre désaccord parfaitement chorégraphié ? D'un côté, on nous accuse d'orchestrer une austérité digne d'un régime draconien, et de l'autre, on nous reproche une mollesse coupable dans le redressement de nos comptes, allez comprendre. Permettez-moi d'éclairer ceux qui, à gauche, crient à l'austérité. Il est facile de défendre l'idée que le danger d'un endettement excessif est virtuel, qui n'engage aucune conséquence sur la vie quotidienne des Français. Mensonge. Je vous pose une question. Face au danger de l'endettement excessif et croissant, devrions-nous rester les bras croisés en se racontant des contes pour enfants? C'est une question. Les faits parlent d'eux-mêmes. Au cours de la semaine dernière, nous avons voté, dans cet hémicycle, l'ouverture de 3,8 milliards d'euros de crédits supplémentaires au titre de la charge de la dette en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt à court terme. Nous aurions préféré qu'elles servent d'abord à financer le renforcement de notre action en faveur de la transition écologique ou encore l'école. Mais la réalité de l'environnement économique actuel nous contraint à les rediriger vers le financement d'une charge de la dette qui augmente chaque année dangereusement. Car rappelons-le, chers collègues, chaque euro dépensé pour payer les intérêts de la dette est un euro en moins pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Je vous le dis ici comme je le pense, si nous ne voulons pas que la charge de la dette ne devienne notre premier poste de dépenses en 2027, alors il faut agir. Agir vite et fixer une trajectoire de réduction des déficits et de la dette. Ne nous y trompons pas. En parlant d'austérité, la NUPES voudrait faire croire aux Français que maîtrise des dépenses publiques rime avec fin de l'investissement. Comment pouvez-vous, chers collègues, laisser planer de tels sous-entendus ? Ou alors même, ce projet de loi prévoit une hausse de dépenses de l'investissement de 40% sur la période pour permettre de financer les efforts en faveur de la transition écologique, l'amélioration de notre système scolaire ou encore la modernisation de nos armées. Dans un second temps, je souhaiterais répondre à nos collègues LR qui affirment que ce texte manque d'ambition sans objectif de réduction de notre dette et de nos déficits publics. La trajectoire qui nous a été proposée est atteignable et plus ambitieuse que dans le texte initial. La dynamique de désendettement nous ramènera à 108,1% de dette publique en 2027 au lieu des 110,9% prévus dans le texte présenté en septembre 2022, ce qui aurait pourtant dû satisfaire nos collègues les Républicains. Autre preuve, s'il en fallait une, en octobre dernier, Moody's et Fitch eux-mêmes ont maintenu la note de la France. L'histoire nous montre qu'il faut réduire le déficit public progressivement et graduellement pour ne pas casser la croissance. L'analyse de la politique économique menée
dans notre pays au cours de la période 2010-2014 est en ce sens très riche d'enseignements. En raison de la crise des dettes souveraines, la France avait alors procédé à un rééquilibrage budgétaire extrêmement important, notamment par d'importantes hausses des prélèvements obligatoires pour les entreprises et surtout les ménages, réduisant à néant la timide reprise de l'économie européenne et renforçant la crise avec des conséquences désastreuses pour nos finances publiques. Nous ne voulons pas répéter ces mêmes erreurs et nous restons convaincus qu'une trajectoire de réduction des déficits trop brutale, telle que proposée au Sénat, mettrait en péril tous nos efforts qui ont permis à notre économie de rebondir rapidement et d'aborder l'avenir avec confiance après les crises successives de ces dernières années. Enfin, j'opposerai au soi-disant manque d'ambition le fait qu'au-delà de nous donner une trajectoire, une crédibilité, cette loi de programmation nous dote de dispositifs adéquats pour contenir l'évolution de la dépense et de la dette publique, que ce soit par une évaluation plus poussée, un dispositif de limitation dans le temps des dépenses fiscales et des aides aux entreprises, ou encore pour mieux faire face à la dette climatique, une trajectoire claire, une baisse de dépenses brunes. Face à deux visions complètement contradictoires et foncièrement irréconciliables, un seul point aurait pu faire consensus, celui de la crédibilité nécessaire que nous devons aux Français et à nos partenaires européens par l'adoption de ce texte. Il n'est pas imaginable qu'un pays comme le nôtre ne puisse pas présenter aux Français une projection sur l'avenir de l'utilisation de ces deniers publics. Nous le devons aussi car, dans une logique de responsabilité budgétaire européenne que nous partageons, le versement des prochains paiements du plan national de relance et de résilience par la Commission européenne est conditionné à l'adoption d'une loi de programmation. Il s'agit d'une somme totale de 18 milliards d'euros qui doivent nous permettre de nous aider à bâtir l'avenir de notre pays. Nous avons longuement échangé au sujet du conditionnement des versements européens au cours de l'examen de ce texte. Afin de lever tout doute à ce sujet, notre excellent rapporteur général, et nous le remercions, a demandé des éléments de précision à notre ministre Bruno Le Maire. Les éléments qui nous ont été communiqués à la suite de cette demande ne laissent aucune place au doute. La Commission européenne a confirmé formellement cette condition dans deux courriers adressés aux autorités françaises les 6 et 21 septembre dernier. Dans de telles conditions, dénoncer un soi-disant grand chantage qui serait fait aux parlementaires dans le cadre de l'examen de la loi de programmation des finances publiques est tout à fait scandaleux et c'est irresponsable. Je voudrais rétablir la vérité. La vérité. Le grand chantage, vous le faites aux Français en tenant de tels discours. Au prétexte que vous avez souhaité transformer ce texte en référendum ou contre la politique économique de cette majorité, en faisant appel à des arguments profondément europhobes, vous vous estimez en droit de priver les Français de 18 milliards qui leur reviennent. Ce comportement est profondément irresponsable. Dans ces conditions, quand les oppositions irréconciliables s'enferment dans de telles postures politiques, sur un texte qui revêt pourtant les enjeux capitaux pour l'avenir de notre pays, le sens des responsabilités s'impose pour préserver notre souveraineté, notre crédibilité et notre économie. La Première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement sur la loi de programmation des finances publiques que nous soutenons pleinement. Vous l'aurez compris, chers collègues, le groupe démocrate ne votera donc pas la motion de censure. Merci beaucoup. La parole est à Madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ce soir, nous abordons donc la 17e motion de censure du gouvernement après un nouveau 49-3 que vous avez déclenché. Alors, beaucoup a été dit au gré des différents 49-3, mais il faut quand même reconnaître que ce 49-3 a malgré tout un caractère singulier puisqu'il porte sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 qui a été rejeté par un vote
souverain à l'Assemblée nationale le 25 octobre 2022. Alors on aurait pu imaginer que vous reveniez avec un texte nouveau, que vous auriez entendu le fait qu'il y a eu un vote contre le 25 octobre 2022. Il n'en a rien été et vous revenez avec exactement le même texte que vous soumettez à ce 49.3. Autre constatation, lorsque vous déclenchez des 49.3 sur les lois de finances, vous nous dites, alors nous ne sommes pas d'accord, mais vous invoquez l'urgence, vous invoquez la nécessité de pouvoir disposer de crédits budgétaires pour assurer la marche du pays. Pour une loi de programmation des finances publiques, aucun de ces arguments ne peut être utilisé. Il n'y a ni urgence, ni nécessité, car une loi de programmation des finances publiques fixe des perspectives et n'est pas un outil pour débloquer des crédits budgétaires. Aussi, actionner le 49.3 sur une loi de programmation des finances publiques nous laisse entendre que vous ne souhaitez nullement chercher un consensus, ce qui pourrait être sur le diagnostic partagé de la situation, et que vous ne souhaitez pas non plus responsabiliser chacun sur la trajectoire future de nos finances publiques. Je le dis avec gravité, avec sincérité, d'autant plus que dès avril 2020, mon groupe parlementaire a sollicité auprès du ministre de l'Économie et des Finances la tenue d'une conférence de financement sur la pandémie, et c'est une fin de non-recevoir que nous avons reçue. Alors oui, face à cette situation, je le dis d'emblée, le groupe socialiste et apparenté votera la censure de votre gouvernement qui n'a aucun droit à préempter l'avenir de notre pays. Puisque vous ne voulez pas associer l'Assemblée nationale à l'exercice d'une loi de programmation des finances publiques, je vais vous proposer que nous commencions cet exercice ensemble, Madame la Première ministre, depuis cette tribune. Une loi de programmation doit tout d'abord permettre de tracer des perspectives. Et ce n'est pas un exercice d'alignement de chiffres pour faire plaisir à Bruxelles ou aux agences de notation. Il y a exactement 50 ans, en 1973, Pierre Mendès France écrivit un petit manuel intitulé « Science économique et lucidité politique », démontrant que l'économie n'est rien sans la politique et que la politique ne saurait faire abstraction totale des lois économiques. Pour aborder la multitude des paramètres et la complexité des situations, il disait ceci à propos de la responsabilité de l'État, une action publique éclairée, continue, énergique et nécessaire. Quelques pages plus loin, il démontrait que pour que l'action publique soit éclairée, continue et énergique, il insistait sur l'intérêt de la planification. C'est cela que c'est sur cette planification que devrait reposer une loi de programmation des finances publiques. Une planification de l'élan que vous souhaitez donner au pays. Typiquement, Madame la Première ministre, cette loi de programmation des finances publiques devrait intégrer les objectifs de transition écologique que vous avez présenté en mai dernier. Vous constaterez avec moi ce n'est pas le cas, puisque le texte que vous nous soumettez au 49, qui est soumis au 49.3 est celui que vous avez écrit en 2022, bien avant que vous présentiez vos objectifs pour la transition écologique. Typiquement, elle devrait mettre en avant l'élan qui est à donner à notre pays pour réaliser cette transition écologique, pour mobiliser toutes les forces vives, pour donner une perspective crédible et pour indiquer son financement. Dès lors, votre exercice de loi de programmation des finances publiques est un exercice abstrait, fait pour dire à Bruxelles que vous l'avez fait. Ensuite, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques doit tenir compte des urgences du pays. Là encore, Madame la Première ministre, l'objectif n'est pas rempli. Le groupe des députés socialistes et apparentés a déposé une proposition de contre-budget pour 2024 avec 5 urgences. Cinq urgences qui incluent entre autres aussi une refonte de la trajectoire budgétaire que vous avez fixée. Madame la Première ministre, si on jette un regard sur le passé, on observe qu'aucune réduction de déficit public de 0,5 point de PIB, c'est-à-dire celle que vous inscrivez dans la loi de programmation des finances publiques, aucune ne s'est faite en dehors d'une croissance à 2 points. Sauf une fois, c'était en 2013, et ça a endommagé l'économie du pays. Alors, il y a 2 options. Soit le gouvernement ne fera pas cette trajectoire budgétaire, et dans ce cas, vous mentez à Bruxelles et au peuple français, soit vous la respectez, et ça cassera irrémédiablement notre économie. Pour notre part, comme je l'ai indiqué, nous avons
décliner 5 urgences budgétisées et qu'il nous paraîtrait très important de pouvoir mettre en œuvre. La première, c'est d'abord de répondre à la crise du pouvoir d'achat que connaissent nos concitoyens. Nous vous avons fait plusieurs propositions. Le SMIC à 1 600 euros, la revalorisation du repas, l'instauration d'un repas Crous à 1 euro pour tous les étudiants ou le blocage des prix de première nécessité pour nos concitoyens d'outre-mer. La deuxième, c'est de répondre à la crise sanitaire et sociale et historique à laquelle nous faisons face. Vous le savez, l'hôpital craque, il y a une désertification médicale qui gagne le terrain, la santé mentale se dégrade, les crèches ne répondent plus aux besoins, les EHPAD manquent de bras, la réforme des retraites est vécue comme une nouvelle injustice. La liste pourrait être encore longue. Face à cette situation, votre gouvernement envisage des coupes budgétaires dès 2024. À l'inverse, nous pensons qu'une autre voie est possible, que nous avons chiffrée dans une trajectoire budgétaire différente de la vôtre. Sur la désertification médicale, nous vous avons formulé plusieurs propositions et nous vous rappelons que ce n'est pas parce que vous avez supprimé le numerus clausus en 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans, qu'il y a plus de places pour de formation des médecins qui ont été ouvertes. C'est pour ça que nous pensons que dès 2024, il faut qu'il y ait 2 000 places qui soient ouvertes en plus. 2 000 places qui soient ouvertes en plus. 2 000. C'est pas la peine de vous fâcher, mes chers collègues. Ouvrir 2 000 places de formation de médecins en plus, c'est 38 millions d'euros. Vous n'êtes même pas capable d'inscrire 38 millions d'euros pour former 2 000 médecins de plus. Ça, c'est une honte. C'est Monsieur le Président Maillard, vous pouvez tordre les chiffres. La vérité des chiffres est là. Il faut. Mais c'est vrai, Monsieur Maillard. C'est vrai, vous êtes passé de 9 000 à 10 000. Vous pouvez... S'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur le Président Maillard. S'il vous plaît. J'entends bien que vous n'aimiez pas les chiffres. Mais vous savez, ils disent la réalité de votre action. Ils disent la réalité de ce que vous votez. Une loi de programmation des finances publiques doit préparer l'avenir et répondre aux porter des réponses concrètes à l'immense défi climatique qui est devant nous. Enfin, la quatrième urgence est celle du logement, qui signe véritablement votre échec. Nos propositions, vous les avez peut-être entendues, c'est une production de 100 000 logements privés, 125 000 logements sociaux, c'est-à-dire 30 000 de plus qu'aujourd'hui. Enfin, la cinquième urgence, c'est l'éducation pour améliorer les conditions d'apprentissage. Parmi les mesures que nous proposons, il y a un effectif maximum de 19 élèves par classe à l'école élémentaire et de 24 élèves par classe au collège. Enfin, une loi de programmation, et ce sera le troisième point, doit être un exercice partagé. Au cours des dernières années, nous avons été amenés à voter plusieurs lois de programmation. Celle sur la recherche et l'enseignement supérieur, celle sur la justice, celle sur la police et la gendarmerie. En général, ces lois de programmation sont toutes précédées d'états généraux. Toutes. Qui permettent de rassembler les forces vives du pays, qui permettent de confronter des opinions qui ne sont pas les vôtres. Pour les finances publiques, rien de tout ceci. Pire, je le redis, le 25 octobre 2022, l'Assemblée nationale a voté contre votre texte. Je n'ignore pas que cette configuration politique que nous connaissons depuis juin 2022 est inédite sous la Ve République, avec une majorité relative à qui il manque plus de 40 députés pour avoir une majorité absolue. Mais la responsabilité qui est la vôtre en tant que chef du gouvernement aurait dû vous conduire à prendre acte de cette situation inédite en imaginant de nouvelles méthodes de travail et la loi de programmation des finances publiques aurait pu en être l'occasion. Il est pour nous impensable que ce soit uniquement le président de la République et vous seul, Madame la Première ministre, qui décidiez sans y associer le Parlement. Vous faites sans doute le pari, Madame la Première ministre, qu'une majorité de députés n'osera jamais voter la censure, ce qui vous donnerait la liberté d'agir à votre guise sans rendre de compte. En faisant ce pari, vous alimentez le ressentiment de nos concitoyens envers nos institutions, qui constatent désormais que la conduite de l'action publique ne repose plus qu'entre les mains du président de la République et d'une poignée de ministres sans aucun garde-fou parlementaire. Je vous le dis très franchement, Madame la Première ministre, ce pari est très dangereux. Aussi, c'est pour cette raison que ce soir, le groupe socialiste et apparenté votera cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente.
Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, le groupe La Gauche démocrate et républicaine permet au groupe Horizon et apparenté de redire combien il juge que l'adoption d'une loi de programmation des finances publiques est indispensable pour notre pays. Dans un article récent, Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international, met en garde, on ne peut plus clairement, sur le risque d'une remontée durable des taux d'intérêt. L'enjeu est clair, avec des taux d'intérêt à long terme supérieurs au taux de croissance de l'économie, tout déficit public primaire entraînera une hausse mécanique du ratio d'endettement public sur le PIB. Je constate que cet avertissement nous vient d'un économiste qui n'a jamais prôné l'austérité ni a été un farouche opposant à l'endettement public, puisque certains, sur tous les bancs, y ont fait référence par le passé. On ne nous accusera donc pas ici de jouer les Cassandres sans y être fondé. L'ère de l'argent gratuit est terminée. Notre pays n'emprunte plus sur les marchés à taux négatifs, comme cela était encore le cas il y a quelques années. Maintenant, c'est 3 ou 4% et peut-être plus. Dès lors, la charge de la dette s'envole. Près de 75 milliards d'euros pour l'État sur la seule année 2027. C'est autant de financements que nous ne pouvons affecter aux politiques publiques prioritaires qui demandent des investissements massifs, au premier rang desquels la transition écologique et la modernisation des services publics. Nous devons avoir des idées claires pour réduire progressivement, mais réellement, notre déficit et ainsi contenir notre endettement pour garantir notre souveraineté. Nous devons être crédibles et sérieux pour ne pas connaître ce que nos voisins grecs ou italiens ont subi durant la crise des dettes souveraines. Car tout cela n'arrive pas qu'aux autres, l'histoire le dit. Le rétablissement des finances publiques n'est pas un caprice de vieux barbons de droite, mais une impérieuse nécessité pour les Français et les générations futures. C'est une question de responsabilité et le groupe Horizon est responsable. Et cela est encore plus vrai à la lumière de l'article d'Olivier Blanchard que je vous citais tout à l'heure. En ce sens, il nous semble que le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 et 2027 fixe une voie ambitieuse mais crédible. Le déficit public qui s'établira à 4,4% du PIB en 2024 devra refluer sous les 3% à l'horizon 2027 et à 2,7% pour être précis. Combiné aux prévisions de croissance et de taux d'intérêt, cela conduirait à réduire la dette publique à 108,1% du PIB en 2027 contre 109,7% cette année et l'année prochaine. La trajectoire fixée est ambitieuse, mais soutenable, loin de l'austérité que certains veulent venir voir pour prospérer politiquement. Je rappelle qu'avec une dépense publique durable supérieure à 5% du PIB, la France est certainement le pays austéritaire le plus envié de la planète. La première priorité restera donc de respecter cette trajectoire dans les 4 ans à venir, ce qui n'a jamais été fait par le passé. Avant de se fixer des objectifs dont nous savons pertinemment qu'ils ne seront jamais tenus, nous ferions mieux collectivement de chercher à tenir une trajectoire des finances publiques ensemble, et pas pour nous, mais pour les générations futures. Un cap clair et une boussole par avis de tempête, voici la raison première de ce projet de loi de programmation des finances publiques. J'ajouterai très rapidement, car cela a déjà été fait par de nombreux intervenants à cette tribune, que le versement de l'Union européenne de quelques subsides, certains en parlent de cette manière-là, eh bien en fait, permettra à la France de retrouver 18 milliards d'euros. Nous ne pouvons faire un choix de versement et faire l'impasse sur ces choix européens. Et comme bientôt nous aurons des élections européennes, nous verrons celles et ceux qui feront campagne et ce qu'ils diront à leurs électeurs. Je terminerai enfin mon propos
par un rappel qui me semble salutaire. Alors que les oppositions répètent à l'envi que le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution constitue, j'ouvre le guillemet, une brutalisation, je les ferme, de la démocratie et un affaiblissement du Parlement, je m'étonne, mes chers collègues, que vous soyez opposés à une loi de programmation, car ce texte est un outil précieux pour nous, parlementaires, afin d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. En ne l'adoptant pas, vous vous empêchez de dire que nous n'avons pas tenu nos objectifs. Il prévoit notamment la limitation dans le temps et l'évaluation des dispositifs d'aide aux entreprises. Je m'étonne que les membres de la NUPES ne le relèvent pas. Enfin, en réalité, je ne m'étonne presque de rien. Vous nous habituez depuis un an et demi à une opposition que je trouve trop systématique et indigne des bancs de cette Assemblée. Motion de censure après motion de censure, vous affaiblissez, même s'il vous plaît, sans vous en rendre compte, la portée de l'acte politique qui est le nôtre. Madame la Première ministre, le groupe Horizon et Apparenté ne votera bien évidemment pas cette motion de censure. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Loi Macron, le gouvernement prétend promouvoir le débat parlementaire puis impose le 49-3, bafouant la représentation nationale. Franck Riester, 17 février 2015. 13 novembre 2023, 8 ans plus tard, le même Franck Riester déclare, par la présente lettre, sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution, « J'engage la responsabilité de mon gouvernement ». Madame Borne ne fait même plus l'effort de se déplacer devant les représentants de tous les Français pour leur annoncer qu'elle ne tiendra pas compte de leur vote. Nous y voilà donc au 17e 49-3 en un peu plus d'un an. 17. Ça en devient ridicule de faire comme si nos voix et celles que nous représentons ici comptaient réellement pour quelque chose dans la fabrique de la loi. 17. Ce n'est même plus une représentation théâtrale que nous jouons, mais une comédie pas bien drôle, un simulacre de vie démocratique dans la verticalité de la 5e République. 17, c'est le nombre de mois exactement que nous sommes élus ici. 17 mois que, comme certains de mes collègues, j'exerce mon premier mandat. 17 fois que l'on me somme de me taire, voire d'applaudir à vous voir arriver. 17, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. 17, non, ça n'est pas une comédie, c'est un drame, un thriller, dépourvu de tout suspense hitchcockien. Un truc qui fout les jetons un mercredi soir, et vous pouvez rire, chers collègues, trouver que le spectacle est divertissant, mais notez qu'au début de ce drame, le personnage principal est mort. C'est la démocratie. La démocratie qui assoit par la République des règles simples, des valeurs, des institutions et des pratiques que vous assumez tuer peu à peu. Le drame empire, chers collègues, parce qu'au 17e coup de minuit, oui, il y en a beaucoup dans cette histoire et ça ne s'arrête pas, on a perdu plein de personnages. Pendant que les députés doivent déserter les rangs pour dealer 3 francs 6 sous derrière les portes closes des ministères, ce sont de nouveau, je vous l'annonce là, le drame, les millions de Français portés disparus. 17, heureusement, c'est aussi le numéro de la police, on va pouvoir lancer l'enquête et on espère trouver les responsables. Aux urnes, plus personne. La haine que vous agitez, le ressentiment, l'individualisme et le repli sur soi prennent le pas sur les solidarités et l'espoir de vivre mieux. Ce sont les victimes de ce thriller que vous pensiez en huis clos dans cet hémicycle, Madame la Première Ministre. Mais je suis au regret de vous annoncer que nous sommes filmés, que des millions de gens nous regardent, qu'ils entendent parler de ce que vous faites, de ce que vous normalisez dans nos institutions et nos manifestations républicaines, de ce que vous banalisez dans le piétinement de la représentation nationale. Tout cela, nul ne sait ce qu'il en adviendra. Des millions de gens ont défilé dans les rues pour s'opposer il y a quelques mois à la réforme des retraites que vous avez passée en force. Des millions de gens ont voté, parfois pour la première fois, lors des élections de juin 2022, parfois avec colère, parfois avec résignation, parfois avec grand espoir. Et ils ne le feront plus, parce que vous leur enlevez leur voix pour des petits jeux politiques. Des millions de gens avaient exprimé leur doléance lors du grand débat national, il y a exactement 5 ans, dans des courriers si sincères et si émouvants que ça aurait fait un peu tâche dans cette pratique du pouvoir pragmatique et raisonnable qui est la vôtre. Vous avez préféré les enfouir dans les archives départementales. Là sont ceux dont vous niez l'existence et que vous refusez d'écouter, Madame la Première Ministre. Et peut-être bien que vous vous en fichez, mais ils emplissent nos permanences, nos agendas, nos boîtes aux lettres. 17, ce sont 17 coups de trop.
Et vous pourrez vous dire que j'exagère. Mais je peux juste vous dire, sincèrement, honnêtement, que ce que vous êtes en train de faire avec Monsieur le Président de la République, avec votre majorité toute relative, que vous feriez mieux d'analyser par ailleurs, c'est bien petit pour notre pays, pour la grandeur de notre histoire, la grandeur du vivant qui l'abrite et la grandeur des gens qui y vivent. Et que vous l'abaissez à chaque coup à un niveau où je ne sais s'il saura s'en relever. 4 ans, c'est long. Mais les mains tendues à l'extrême droite, les reniements de valeurs, la verticalité de toute votre politique, l'austérité pour les petits et l'abondance pour les puissants, les polémiques des atmosphères djihadistes aux terroristes écologistes que vous décrétez, oui, ce sont vos mots, oui, vous mélangez tout, et oui, c'est dangereux. Le mépris de tout cela, nul ne sait ce qu'il adviendra. Au diable votre soi-disant pragmatisme et votre soi-disant raison. Est-ce donc la raison qui vous pousse à entretenir une douce indifférence aux inégalités qui se creusent, à la grande pauvreté qui explose, aux enfants dormant à la rue, aux agriculteurs qui jettent l'éponge, aux travailleurs précaires, aux Français tombés sous le seuil de pauvreté en 2021 ? Plus d'un demi-million, Madame la Première Ministre, autant que toute la population de mon département, la Drôme. Est-ce le pragmatisme qui vous incite à ignorer toutes les alertes scientifiques sur les investissements massifs, je dis bien massifs, qu'il nous faut opérer pour protéger le vivant ? Qui vous fait oublier, alors qu'on est fin 2023, de porter une loi de programmation des financements de la transition écologique, réclamée par tous les scientifiques face à l'urgence de l'effondrement écologique de notre monde. Est-ce le pragmatisme ou la raison qui dicte votre trajectoire financière, que je me permets de résumer ainsi, l'austérité pour les petits, sur les services publics, l'hôpital, l'école, la gendarmerie, nos ruralités, et l'abondance pour les puissants, avec 100 milliards d'euros de baisse d'impôts et de cotisations depuis 2018 pour les seules entreprises sans aucune conditionnalité. Est-ce le pragmatisme ou la raison qui vous conduit à l'asphyxie des collectivités locales, en premier lieu des petites communes, qui vous fait accélérer la disparition des services publics, sous couvert de France Services portés à bout de bras par les élus locaux et les associations ? La promesse républicaine, partout elle s'effrite, partout elle est délaissée. Tout cela, nul ne sait ce qu'il en adviendra. La colère qui s'exprime dans notre pays, ce n'est pas un truc très français. Elle a des racines très concrètes. Dans l'abandon de territoires entiers, dans vos logiques de marché qui plongent les gens dans des situations inextricables, dans la perte de sens que l'ordre ne pourra combler, dans des mobilisations méprisées, dans votre incapacité à respecter vos propres engagements écologiques. Madame la Première Ministre, de vos actes, de vos choix politiques, oui, vous-même, ne savez en réalité pas ce qu'il adviendra. Je peux juste vous dire qu'il aurait pu en être autrement, que la République, elle n'est jamais acquise, que c'est une conquête permanente, et qu'on pourrait faire tellement mieux pour en être à la hauteur. Car notre République, c'est la liberté. La liberté, c'est de pouvoir s'émanciper de ce que la société nous assigne. La liberté d'aller et venir, de pouvoir poursuivre le chemin que l'on s'est choisi, de pouvoir poursuivre ses rêves, qu'on vienne d'un petit village enclavé ou d'un quartier populaire. De pouvoir aimer, de pouvoir voyager, travailler ou de ne pas travailler, peu importe, de pouvoir vivre dignement. De permettre à chaque enfant de la France, chaque jeune fille et chaque jeune garçon de vivre libre. Notre République, Madame la Première Ministre, c'est celle de l'égale dignité de toutes et tous. C'est chérir ce troisième pouvoir, celui de la justice dont nous devons sacraliser l'indépendance, parce que c'est elle qui garantit l'égalité de chacun, que vous soyez puissant ou misérable devant la loi de la République. Il y a dans notre pays des enfants qui n'ont pas les mêmes droits que les autres. Il y a, dans notre pays, des citoyens qui peinent à comprendre la promesse républicaine, celle de Jaurès, de Blum, de Mendès-France, parce qu'elle ne s'applique pas partout et pour tous de la même manière. Être français, c'est ne jamais oublier ce cap de l'égalité, de tout faire pour que nos petits villages soient revitalisés, que bureaux de poste, centres des impôts, écoles, structures d'accès aux droits, aux transports, à la culture, à la santé soient garantis. C'est tout faire pour défendre les services publics, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Notre République, Madame la Première Ministre, elle a une histoire, et cette histoire, elle est profondément sociale. C'est celle de l'État-providence, de la redistribution, de la solidarité, de l'accueil inconditionnel. On ne conçoit la grandeur de notre République qu'au sort qu'elle réserve aux plus démunis. On n'en conçoit la richesse qu'à l'engagement de millions d'hommes et de femmes, particulièrement là où l'État est le moins présent. C'est alors l'accès aux soins pour toutes et tous, la bataille pour que les Françaises et les Français qui vivent dans un petit village ne se voient pas retirer 2 ans d'espérance de vie juste parce que vos choix politiques ont fermé les hôpitaux de proximité. Notre République, c'est chacun d'entre nous. Elle ne se conçoit jamais de manière verticale, par la volonté d'une seule personne. Elle est un commun. La République n'exclut pas, elle ne réduit pas les humains en son sein. Justement, sa grandeur est d'ouvrir, d'émanciper, d'être partagée.
Notre République, Madame la Première Ministre, est bousculée à une vitesse folle. J'ai grandi dans une forme d'insouciance face à l'effondrement du vivant. Et je sais que celle-ci habite, là est un autre drame, encore nombre d'entre vous. Pourtant, toutes et tous, nous sommes en train de traverser le plus grand défi auquel l'humanité n'ait jamais été confrontée. La chute de la biodiversité et le cataclysme climatique. Madame la Première Ministre, la République du XXIe siècle devra être une République écologique ou ne sera pas. Cette République-là, ce n'est pas un vieux texte constitutionnel duquel on tire des fondements pour piétiner l'Assemblée nationale et ce qui s'y exprime. Cette République-là, c'est notre devoir que de la faire advenir. Et nous sommes ici au moins 151 députés, je dis bien au moins, pour la faire advenir. À cette République-là, vos choix, tous vos choix, s'y sont opposés. Alors, la République, c'est aussi le droit de contester l'ordre des choses, quand il est franchement dans le désordre. Là est la plus grande des libertés, là aussi est le plus vertigineux de nos devoirs. Aussi, sur le fondement de votre indifférence aux plus vulnérables et de l'explosion de la grande pauvreté, sur le fondement de la brutalité de votre politique et de votre méthode, sur le fondement de votre capitulation écologique, et parce que vous avez fait le choix d'un peu plus abîmer nos institutions et cette si belle République, Madame la Première Ministre, au nom de l'ensemble du groupe écologiste, nous engagerons notre vote pour cette motion de censure. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente, Madame la Première s'il vous Ministre, plaît, s'il vous chers plaît. Collègues, en moins de 18 mois, voici la 22e motion de censure suite à votre 17e 49-3. Nous pensions avoir s'il vous plaît, tout subi, s'il vous plaît. Mais c'était bien mal vous connaître, Madame la Première Ministre, puisque vous réussissez l'exploit de déclencher ce 49-3 avant même le début de la discussion générale. Votre loi de programmation des finances publiques 2024-2027 est fondée sur des prévisions de croissance et d'inflation tellement erronées que non content de nous empêcher de l'amender, vous voulez maintenant tout simplement nous empêcher de nous exprimer. Comment allez-vous, par exemple, financer la charge de la dette ? Ça vous fait rire ? Qui est estimé à plus de 74 milliards d'euros en 2027, et vous riez toujours, au lieu des 60 milliards que vous aviez calculés il y a de cela une année seulement. Comment allez-vous, pour respecter cette loi de programmation fantomatique, réaliser chaque année, entre 2005 et 2027, 12 milliards d'économies supplémentaires, alors que vous refusez de vous attaquer au vrai gaspillage, telles que la grande fraude fiscale, notamment à la TVA, telles que la fraude massive des fausses cartes vitales, telles que le coût ahurissant de l'immigration, telles que grande réalisation du ministre de l'économie, les fameux emprunts d'État à des taux d'intérêt indexés sur l'inflation nationale ou européenne, que vous continuez à émettre mensuellement, alors qu'ils nous ont coûté l'année dernière 12 milliards de dépenses supplémentaires. Comment votre gouvernement, alors qu'il peut emprunter à taux fixe, continue à emprunter à taux variable ? C'est un véritable, mes chers collègues, scandale d'État. Alors oui, ne pouvant détailler en 5 minutes seulement les failles de votre loi de programmation, permettez que je me concentre sur une dépense, là aussi, ahurissante, le coût exorbitant de l'Union européenne. Car je vous le rappelle, chers collègues, en raison d'un autre 49-3, nous avons été privés dans cet hémicycle d'un débat important sur la contribution annuelle qui s'élève à près de 24 milliards d'euros. Et oui, la contribution nette, les Français doivent le savoir, la contribution nette de la France a été multipliée par plus de 10, passant de 782 millions en 1994 à plus de 10 milliards en 2021. Si l'on additionne, les Français doivent le savoir, les contributions nettes versées depuis seulement 2012, en 10 ans seulement, notre pays, les Français, auront versé à l'Union européenne 74 milliards d'euros net quand on fait la différence entre ce qu'on a versé et ce qu'on a reçu. 74 milliards d'euros
Combien d'hôpitaux fermés? Combien d'écoles fermées? Combien d'infirmières sous-payées? Combien d'usines délocalisées par ces subventions à nos concurrents pour alimenter une bureaucratie bruxelloise qui augmente ses salaires de manière indécente, pour financer nos concurrents, les délocalisations qui sacrifient nos territoires, pour financer le sabotage de notre système énergétique. Et le nouvel accord européen, d'ailleurs, que vous prétendez être un succès, ne change absolument rien à la fixation du prix de l'électricité. Et contrairement à ce que vous dites, nous pourrions totalement sortir du marché européen pour fixer notre prix en fonction de nos coûts de production, tout en maintenant des interconnexions d'approvisionnement. Cela existe avec l'Angleterre qui n'est pas dans l'Union européenne. Pour financer aussi les projets liberticides de l'Union européenne, pour financer, comble de tout, l'élargissement de l'Union à l'Ukraine, qui, selon le Financial Times, va coûter 186 milliards d'euros à l'Union européenne, c'est-à-dire 32 milliards supplémentaires à notre pays. Et vous nous dites qu'il faut voter cette loi de programmation parce qu'il faut obéir à Bruxelles, obéir aussi à ce fameux plan de relance qui est le plus grand marché de dupes signé par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, censé rapporter 37 milliards à la France. Il va coûter à la fin 109 milliards à notre pays, soit un delta de 72 milliards, parce que, bien sûr, Bruxelles n'avait pas prévu les taux d'intérêt qui ont été explosés. Cette loi de programmation, en définitive, est le symbole de votre soumission à une commission de Bruxelles antidémocratique, oligarchique, qui détruit la France et trahit l'idée européenne initiale. Il est vital de mettre fin à vos agissements destructeurs et de rétablir la souveraineté de la France dans une Europe des nations libres et des coopérations concrètes, la seule qui peut fonctionner et avoir des résultats. Voilà pourquoi vous méritez la censure. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première Ministre. Allez, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre, allez-y. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je ne dirai qu'un mot de la loi de programmation des finances publiques. Elle a fait l'objet d'un large débat depuis plus d'un an. Vous connaissez nos positions et les orateurs de la majorité ont parfaitement rappelé pourquoi ce texte était nécessaire pour notre pays. Comment il assurait notre souveraineté? Comment il ouvrait la voie à des investissements majeurs pour la transition écologique? Comment il garantissait aux Français que nous n'augmenterons pas les impôts? Ce texte, c'est la responsabilité budgétaire sans l'austérité. Ce cap, nous y tenons. Et ce soir, quelques semaines à peine après le rejet d'une première motion de censure sur ce projet de loi, nous avons également eu l'occasion d'entendre à nouveau les positions des députés censeurs entre irresponsabilité budgétaire pour les uns et rejet pavlovien de l'Europe pour les autres. Mesdames et messieurs les députés, alors que minuit approche en ce mercredi soir, je voulais profiter de ce moment pour partager une réflexion avec vous. Les débats dans cet hémicycle, et plus encore lors de l'examen de ces motions de censure à répétition, sont trop souvent devenus le prétexte à tous les débordements, toutes les insultes, toutes les outrances. Bien sûr, cette Assemblée a connu des débats vifs, parfois même violents. Bien sûr, les idées s'y disent avec force et parfois emportement. Bien sûr, certains mouvements dans l'hémicycle font partie intégrante du débat parlementaire. Mais comment pouvons-nous accepter, semaine après semaine, le déferlement de violence qui remplace trop souvent la défense des idées? Mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, nous avons des convictions aux antipodes. Cela fait de nous des opposants, pas des ennemis. Pourtant, à chaque fois, je suis toujours plus marquée par la multiplication de vos injures, toujours plus atterré par vos appels à la haine. Car il s'agit bien de cela quand, semaine après semaine, les insultes remplacent les convictions, quand jeudi dernier, des mots comme assassin ou des références à la guillotine se sont multipliés.
À chaque fois, je suis plus effarée par votre violence. Il plaît un peu de silence. Qui désigne à tous les dérapages. Monsieur Léaumont. Non, mais vous démontrez ce que je suis en train de dire, monsieur le député. Chaque fois, je suis plus sidérée par votre suffisance, vous qui prétendez parler au nom du peuple dans son ensemble, alors que vous avez perdu toutes les élections, les unes après les autres. Votre suffisance quand vous refusez par principe de reconnaître l'once du début d'un tort, quand vous censurez même au sein de vos rangs toutes celles et ceux qui émettent des opinions différentes. Mais surtout, à chaque fois, je suis plus déterminée face à la brutalisation de nos débats et de notre société. On dit que les élus doivent montrer l'exemple. Je le crois. Et si vous faites de cet hémicycle, depuis des mois, le lieu où toutes les violences verbales sont permises, comment pouvez-vous ensuite vous étonner de la banalisation de la violence dans le quotidien de nos concitoyens ? Alors, avec mon gouvernement, avec la majorité, nous sommes résolus à assurer l'apaisement de notre société. Je suis plus déterminée pour la cohésion nationale quand vous refusez par principe tous les moments d'unité, quand vous parvenez à politiser et tenter de salir même des combats qui devraient tous nous rassembler, comme la lutte contre l'antisémitisme. Avec mon gouvernement, avec la majorité, nous sommes résolus à porter l'unité autour des valeurs de la République. Par mon histoire, par mon parcours, par mes convictions, je sais que l'extrême droite est un péril grave et je suis convaincue que face à elle, un réflexe républicain s'impose toujours. Par calcul, vous pensez qu'il faut agonir le gouvernement d'injures pour paraître les opposants les plus féroces. Vous avez gagné la palme de l'outrance, pas abreuvé d'opposition. L'extrême droite n'attendait que ça. À chacun de vos coups d'éclat, elle semble plus raisonnable. À chacun de vos flots d'injures, elle semble plus républicaine. À chacune de vos insultes, l'extrême droite gagne des voix. Alors je vous le demande, d'où vous vient l'idée que la civilité serait incompatible avec l'opposition ? Sans doute d'un billet du bloc de votre leader enfermé dans ses élucubrations belliqueuses du fait de ses échecs répétés dans les urnes. Vous fissurez la République à dessein, vous laissez croire que la violence verbale débridée est le seul mode de débat. Alors je suis lucide. Je sais que ce discours ne vous changera pas. Ne serait-ce qu'écouter quelqu'un qui ne pense pas comme vous, vous est insupportable. C'est pourtant le principe même de la démocratie. Il n'est pas question de... pas question d'adoucir nos positions. Au fond, il n'est question que d'une chose, montrer qu'en démocratie, montrer qu'en République, on peut être en désaccord et pourtant se respecter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. La discussion est close. Je vais mettre aux voix... la motion de censure déposée par M. André Chassaigne, Mme Mathilde Panot, Cyrielle Chatelain et 110 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour 20 minutes. Il sera donc clos à 23h30. La séance est suspendue.
Mes chers collègues, la séance est reprise. Voici les résultats du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289 pour l'adoption 143. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027 est considéré comme adopté en lecture définitive. Prochaine séance, lundi 20 novembre à 16h, suite de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. La séance est levée.